as they wake up Christmas morn. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des décorations de Noël. Donc aujourd'hui, je vais décorer ces petits cubes là, voire pour mettre des peluches ou des petites décos de Noël, et on va faire ensemble le village de Noël. Et je vais également changer mes coussins et mon plaid sur mon canapé. C'est parti, je vous embarque avec moi. Voilà, j'ai mis des plaids rouges, c'est basico-basique. C'est les couleurs que je mets à Noël de toute manière, donc c'est juste deux coussins rouges, un plaid rouge et puis voilà. Alors faites pas gaffe à ma tête, hein, je suis fatiguée. Il faut savoir que j'enchaîne jour sur jour les tournages, donc c'est compliqué pour moi. Et là, les femmes comprendront, je suis dans ma période un peu compliquée aussi, donc voilà. C'est pour ça que d'ailleurs vous allez voir ma vidéo, je ne suis pas maquillée, je suis coiffée à la Waldegen Bistoufla, et la seule chose qui est bien sur moi, vous verrez, c'est mes petits pantoufles Père Noël. Donc voilà. Donc ben là, je vais aller chercher les peluches et on va voir ce qu'on peut mettre dans les cubes là-haut. Je voulais aussi vous montrer deux, trois petites bricoles. Je voulais vous montrer, je vous en avais déjà parlé, de la peluche de mon chien. C'est une peluche de Noël qu'on avait trouvée à Action il y a 2-3 ans. Elle fait poupouc, mais franchement, elle est trop belle. Je voulais aussi vous montrer, alors je sais pas quand j'ai décoré avec mon mari si on vous l'a montré, ce Père Noël que j'ai chiné dans une... Ouais, c'est une brocante en fait, des gens qui vendent des choses pour récolter des revenus pour soigner les chats errants et tout. Donc voilà. Et normalement, de base, il fait de la musique. Mais il fait que de la lumière en fait. Mais c'est des Pères Noël qui datent de... Pouh, c'est vieux comme déco, mais j'adore. Et je voulais aussi vous montrer, chose qu'on a déjà mis avec mon mari, c'est ce genre de petites peluches là. Donc c'est des petites peluches qui sont dans une cheminée. Bon, avec mon mari, on les avait achetés à Action aussi. De manière, beaucoup de choses viennent d'Action. Et en fait, là, il est sur On, je crois. Et en fait, quand vous appuyez sur sa papatte, j'adore, c'est trop beau. Voilà, vous avez le renne que je vais remettre bien en place. Et tout là-haut, mon mari a eu l'intelligence de me mettre. Nous avons le Papa Noël. C'est trop mignon, mais c'est trop bien fait. Vous voyez, c'est une petite cheminée et tout. J'adore. Bon, on va essayer de le remettre là-haut, moi qui serai guigui poit poit. Voilà. Donc, déjà, la peluche de mon chien, je vais la mettre sur le meuble de télé, mais ça, je le mettrai après parce que vu que j'ai ma caméra et tout, j'ai bougé le meuble. Donc, dans ces cubes-là, parce que c'est des cubes, vu qu'on va être trois et tout, ma soeur a l'intelligence, ou même nous, hein, ça nous arrive, en fait, de toucher ces cubes-là et de faire tomber. Ma soeur a déjà fait tomber des trucs, alléluia, ce n'est pas cassé. Mais je me dis, si elle doit faire tomber quelque chose, quitte à faire tomber des peluches, que ça ne se casse pas. Donc, j'avais l'idée de mettre celle-ci, mais vous voyez, ça va faire un peu trop mastoc, je trouve. Donc, hop. Je sais pas si ça va être bien. À moins qu'on inverse. Je sais pas si vous allez bien voir. À moins qu'on inverse et on mette celui-là dedans. Ah, je sais pas. Je m'attendais que... Je sais pas que les peluches... À moins que... On mette les deux petites, là. On en met une comme ça. Avec une petite déco, voyez-vous. Hop. Je vais tenir, on fait bruit. Voilà. Une là. Je ne sais pas si vous allez voir. Et une ici. Donc ça, elle est très tranquille, pas toute seule, mais ça, elle est un peu. Mais c'est ses oreilles qui sont trop grandes. Donc après, il va falloir que je voie où mettre ben, les autres, quoi. Parce que finalement, il me reste trois peluches que je ne sais pas où mettre. Donc, ma foi, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre tout ce que j'ai besoin pour faire mon village de Noël. Je vais mettre toutes mes petites maisonnettes, mes petites figurines et tout sur la table basse. Comme ça, on voit ensemble ce qu'on a. Et on va attaquer le village de Noël. Thank you.
Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre la fausse neige sur ce meuble là et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mis mes tapis de fausse neige. Là-haut, je vais y mettre le grand Papa Noël, comme ça il est magnifique. Il y avait une luge, mais il s'est envolé pendant le déménagement, je pense. Donc après, ouais, il y a des photos derrière, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'avais idée de mettre le grand Papa Noël vu que le sapin il va être à côté. Et je vais peut-être y mettre une peluche, peut-être que ça pourrait faire pas mal. Parce qu'honnêtement, je vais rien mettre comme déco de village ici avec les chats. Voilà, voilà quoi. Donc voilà, et après, je vais tout simplement faire le village de Noël. Alors oui, parfois vous allez me voir regarder dans la caméra, c'est normal. C'est pour me donner un autre visuel pour voir ce que ça donne. Donc c'est pour ça que je regarde dans la caméra. Donc voilà, là j'ai fini le village de Noël, je vais vous montrer après ce que ça donne. Ça, j'avais l'idée de le mettre en fait ici, regardez. Avec le petit renne. Pourquoi ça passe pas? Ah mais ici! Ici, avec le petit bois, le petit sapin, ça passe. Avec le petit bonhomme de neige, je veux dire, j'ai du mal. Hein. Donc voilà, là je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis, on se retrouvera après pour la suite. Qui est tout simplement le sapin de Noël. Après, j'ai encore 2-3 bricoles à mettre, mais ça, je le ferai hors caméra parce que j'en sais rien du tout. Et il faut surtout qu'avec mon mari, on évacue un petit peu avant de continuer les déco. Donc, voilà. Donc là, la prochaine vidéo sera le sapin de Noël avec mon chéri. Et la dernière vidéo sera le home tour complet. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis lâchée, mais complet. Et pour ceux qui vont me dire que ça ne se fait pas ou autre, je l'ai déjà fait. À maintes et une reprise, après les fêtes, j'ai nettoyé et je n'ai jamais, jamais eu de problème. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Bye!
Regardez, c'est mes petits chaussons Papa Noël. J'adore. Donc, pour commencer sur ce meuble-là, j'ai mis de la fausse neige. J'en ai mis également dessus. Au niveau des petits cubes, là, j'ai mis peluche. Alors, dans celui-là, je vais y rajouter sûrement quelque chose, mais pour l'instant, je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Ensuite, ici, vous avez le Papa Noël avec ses acolytes. Alors, au lieu d'avoir des rennes, lui, il a des chiens. Et le village de Noël. Alors, vous voyez, j'ai peinturé de bombes un peu partout. Moi, j'adore. Donc, là, nous avons ce petit coin, comme ça. Alors, il y en a que j'ai éteint. Parce que ça faisait trop lumineux. Ici, hop, comme ça. J'adore. Après, vous avez comme. Vous avez celui-là. Alors, vous avez un sapin qui s'est cassé ma roulette. Alors, vous voyez l'effet peinture? Moi, j'aime bien parce que ça fait un peu les étoiles et tout. J'adore. Et après, en bas, vous avez ça. Celui-là, s'il n'est pas magnifique, franchement, moi, j'adore. J'adore, j'adore. Et vous voyez ici, j'ai mis le Papa Noël. Donc voilà ce que ça donne. As they wake up Christmas morn.